Edwin est sous bonne garde dans mes geôles et attend d'affronter mon jugement. Je vous donne ces domaines, Sir William, et à vous. Vous allez assumer la charge du vieux château d'Edwin. Nettoyez-le et rendez-lui sa joie et sa prospérité. Voilà. Alors, déjà, j'avais fait une grosse connerie la dernière fois. J'étais monté à 100% de bonheur. Et dans ma tête, bêtement, je me suis dit, c'est 100% de bonheur qu'il faut. Alors que c'est la population qui compte. 80. Là, pour l'instant, on est à 101 de population, mais à cause du malheur, on va baisser en population. Donc du coup, il faudra qu'on refasse des maisons et de quoi faire travailler les fameux paysans. Parce que autour du feu, ils sont que 24 paysans, ça fait pas 80, donc faut en faire travailler certains. Et donc ça fait les 24 qu'il y a autour du feu, plus ceux qui travaillent, il faut que ça atteigne 80. Ça, je l'avais pas compris. Donc déjà, maintenant que j'ai compris, bon ben voilà, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc c'était, il n'y avait pas du tout de bug ou quoi que ce soit. Acquérir 100 couronnes, il y a déjà 230 couronnes, donc c'est déjà acquis en fait. On a déjà réussi ça, avant même de lancer le... C'est tout bon, en fait ça c'est tout bête, ça dépend juste de est-ce que votre game a duré longtemps ou pas. Si votre game a duré très peu de temps, je sais pas, on va être à 50 par exemple, il faudra monter jusque 100. Mais comme là, moi game, je l'ai fait un peu durer, hein. Qu'on soit franc, hein. Pour faire plein de troupes et tout ça, et puis j'aime bien aussi. Faire durer les choses, très sincèrement. Et ben voilà, c'est monté à 230, et encore, j'avais fait une autre game où j'avais fait encore plus durer hors caméra. Et là, c'était à 357, un truc comme ça. Enfin bref, on était largement dessus. Donc en fait, la renommée, on s'en fout. Pas besoin de renommée, on s'en fiche. Il faut juste s'occuper du bonheur de la population, avant le délai. C'est juste ça. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple. Notre tâche s'annonce fort délicate, messire. Mais non. Franchement. Ce château est un véritable cloaque. Les paysans sont misérables. Je crois qu'il y a plus de rats en fait. Ici qu'il n'y en a jamais eu dans les marais. Ah, je ne sais pas par où commencer. Alors, on commence avec une misère au niveau bois, parce qu'on a 10 de bois. On a quand même tous les fiefs qui vont nous donner de l'or. Ça, c'est quand même appréciable, hein, parce que tous les fiefs sont considérés à moi. Et on va tout de suite demander. Messire, c'est la première fois qu'ils envoient quelque chose. Alors, poste de charretier. 52. Aussi, allez, 50. Dévoiler son fonctionnement. Bam. Les ressources sont en route, messire. Ici. Ah, j'ai pas fait le truc que je voulais. Bon, c'est pas grave. Choisissez la quantité. 50 de bouffe. Choisissez la destination. Ah putain. Nous annulons cette charretée, messire. Choisissez les marchandises. J'ai fait choisissez les marchandises. Bon, c'est pas grave. Nous annulons cette charretée, messieurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord enlever le grenier. Voilà, et le foutre. Là. Alors, le charretier qui est là. Marchandises. Où il est, cet enfoiré ? Je sais pas. J'espère qu'il va vite revenir. Choisissez la quantité. Choisissez la destination. Nous perdons quelque argent, messire. Ça. Alors, on va donner un masse de la thune, parce que de toute façon, ça va très vite monter grâce au. Grâce à tous les chefs, tout simplement. Donc, pas besoin de s'embêter avec ça. On va déjà enlever ça pour préparer. On va le foutre là. Et on va, je pense que je vais en faire un deuxième. Parce qu'ils ont du bois. Attends, ce qu'on va faire, c'est ça. Il n'y a pas de paysans, là ? 40 de bonheur. Oh non ! T'es sérieux? Putain, fallait que j'ai pas de cul. Ouais, forcément. Choisissez c'était trop simple. Bon, oh putain, ils ont pas de bouffe là. What the fuck? Ça a remis tout à zéro? Oh la merde. Oh non, mais ça c'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Hop, on choisissez va prendre. La quantité. Choisissez la 20 bois. Les ressources sont en route, ça devrait tenir sans problème. La bouffe. 67, on va mettre 20. Choisissez la destination. Voilà. Choisissez les marchandises.
Choisissez la quantité. Ouais, on va prendre ça, écoute. 10. À quelle fréquence, messire? Voilà, comme il y en a 20. Choisissez les marchandises. Choisissez la quantité. À quelle fréquence, messire? Les ressources sont bon, en. Bon, ça, c'est de la bouffe seigneuriale, donc c'est moins important pour le bonheur. Quoique, je pense que ça doit compter quand même. On ne vous aime pas beaucoup, messire. Victuaille, fange, rat. Bière, machin. La pierre, on peut la. Ah non, on va pas la vendre. Ce qu'on va faire tout de suite, hein, ça me coûte plus de pierre. Ils ont dû faire aussi. Ça, apparemment, ça a vraiment remis tout le monde à zéro parce que ça me paraît. Ah ouais, putain, c'est incroyable. C'est fou, hein. Oh, pas eux. Choisissez. Ils sont passés entre les mains du filet. Il n'y a pas de souci pour. Choisissez la quantité. Choisissez la destination. 50 de bois. Les ressources. Parce que le temps qu'ils fassent le tour et tout ça, bon, voilà quoi, ça va. Ils vont de nouveau avoir du bois, il n'y aura pas de souci. Choisissez la quantité. On va 10 épées. Choisissez la destination. Les ressources sont en route, messire. Ça c'est bon, le dernier pour l'instant non. Choisissez les marchandises. Ici. Choisissez la quantité. Les ressources sont. Ça c'est le premier truc à faire, de leur donner tous les ordres de ce qu'ils doivent envoyer. Choisissez les marchandises. Ah mais ils sont pas revenus donc je sais pas. Choisissez la quantité. On va lui demander aussi de la les pierre. Les ressources sont en route, messire. Choisissez la quantité. Les ressources sont en route, messire. Heureusement qu'on a les fiefs. Choisissez les marchandises. Est-ce que t'as du bois? Moi ça m'a. Voilà, c'est le bois qui va m'intéresser aussi. Les ressources sont en route, messire. Attends, mais. Choisissez. Il y a aucun à qui j'ai demandé là. À quelle fréquence, messire? Les ressources sont en route, messire. Bois, je veux encore du bois, j'ai pas assez de bois. Les ressources sont en route, messire. Ok. Choisissez les marchandises. Toi, tu vas m'amener de la bouffe. La quantité. Les ressources sont en route, messire. Et le dernier. Tu vas m'amener, toi. Du bref. Choisissez la quantité. Choisissez la destination. Ok. Maintenant vous. Choisissez les marchandises. Lui l'occuper, c'est bon. Choisissez la quantité. Encore du bois, il va me falloir énormément de bois. Les ressources sont en route, messire. Au début, ça va vraiment être le plus choisissez important. Choisissez la quantité. Les ressources sont en route, messire. Tant que le bois n'est pas arrivé, mais ils sont vraiment pas loin, donc c'est pas trop. Et en rangeant, je dois. Aucune distribution de nourriture. Oui, ce ça, c'est pas un souci. C'est géré, ça, t'inquiète. C'est bon, le temps passe vite. Avant même de tenter d'accroître la production du château, puis-je suggérer de commencer par nettoyer le château et regarnir le grenier? Ok, à deux fois 50 bois qui arrivent, de la pomme, de la braie, des cochons et des légumes, c'est parfait. Et encore deux fois du bois, nickel. Donc là, on va avoir 200 de bois d'un coup. Là. Et j'ai déjà pouvoir commencer à construire. Voilà, sur une berne comme ça au moins. Par contre, il va falloir qu'il revienne au bout d'un moment parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais, voyez-vous le cul là. J'ai envie de jouer moi. Ah, le temps passe vite, hein. Le temps passe vite. On va niquer toutes les fanges avec ma technique là. Ça va claquer 5 de bois à chaque fois, mais ça va être vraiment nécessaire. Parce que sinon, il y a vraiment beaucoup trop de merde. Et voilà, 81 déjà. Voilà, déjà, ça nous fait 3 fois de quoi gérer la fange, tout ça. La pierre, on n'en aura pas avant un moment. On a pas mal de thunes déjà. Le bruit, on va vendre. Mince, j'ai acheté un trop, bon, c'est pas grave. On va déjà commencer à faire tout ce qu'il faut. Hein. On va attendre le bois encore. Il y a 150 là de bois. No change in the treasury, Lord.
On va déjà augmenter. De grosses rations ! Oh, c'est formidable ! Faut que je m'occupe de toutes les fanges maintenant. Moi-même. Le peuple vous aborde, messire. Ah. Donc du coup, il va revenir, le peuple. Rassure-moi. Merde, j'ai fait à côté. Le peuple vous aborde. C'est bon, il n'y a plus que moins 5, plus 8, plus 4, ça va remonter. C'est juste une question de temps. On va faire ça, ça, et bon, troisième là même. Voilà. Il me ramène du bois lui aussi, c'est parfait. Les fanges encore. Je ne vous aime pas beaucoup, messire. Ça remonte, 35, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ok. Votre popularité augmente. Évidemment, parce que je suis le meilleur. pour l'instant, les épées, je pourrais même les enlever, mais bon, on va pas le faire. Donc, le plus important à faire, là, ça va être la population. Il va vraiment me falloir un masse de population, 50%, ça remonte, ça remonte. On va augmenter encore. Les gens viennent dans double ration. On donne de l'argent aux gens, on leur donne énormément à bouffer, autant me dire qu'ils vont tous venir, hein, sachant que c'est le Moyen-Âge et que c'est très compliqué de se nourrir normalement à l'époque. Le peuple a une bonne opinion de vous, messire. Ah ouais, c'est juste les rats qui sont un peu chiants, mais sinon ça devrait très vite monter. On va même faire un petit, voilà, un petit peu de divertissement pour ces messieurs dames, pour qu'ils aient envie de venir encore plus. Là, je suis en train de faire un endroit touristique, en fait. Je suis en train de me dire. Un paysan s'est dévoyé, messire. Totalement lieu touristique, quoi, franchement. Vous ne pouvez pas placer ça ici, messire. On est pas mal. Alors, si là, le bois, si on va faire un truc, parce que là, ça va pas du tout. Enfin, les abris, on va plutôt de ce côté-là, puis sinon, on va les virer, parce que. On va peut-être sûr, on va les garder. Ok, 100%, on est bon. Bouffe, comment ça se passe? Ça se passe bien. Or, ça se passe très bien. On va rester comme ça. Comme ça, moi, je suis sûr qu'on continue de monter. On est bientôt à la fin. Ouh là 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 là, il faut vite que je fasse encore plein de maisons. Donc. Là, niveau maison, on est pas mal. 52, il faut qu'on fasse plus de... Là, il y a plusieurs techniques. Moi, j'avais fait une... je m'étais pas cassé la tête. Hors caméra, c'est ce que je vais faire. On va mettre des abris-rabots partout. Ça va donner donc du travail aux citoyens. Et donc, il y aura plus de gens qui vont venir. Et donc, forcément, on va atteindre les 80. Voilà. C'était vraiment pas compliqué, en fait. Fallait juste comprendre l'énoncé, quoi. C'est tout. J'ai l'impression d'atteindre les 80. Hop. Et hop. Voilà. J'ai mal compris l'énoncé. Donc, forcément, la défaite s'en est suivie. Et là, normalement, on devrait être bon. Plus que tout le monde récupère. Enfin, fasse son travail. Ok, ils vont venir se changer encore. Tac, tac. On va même profiter, hein. On va pas en perdre une miette. J'ai beaucoup de bois. Enfin, j'ai beaucoup de bois. J'ai du bois. Bon, les fanges sont traitées. Ah, par contre, là, il y en a une nouvelle. Le temps qu'il arrive, on va... Voilà. Alors... Oh putain, je me suis auto-niqué. Voilà, le temps qu'il a... On pourrait aussi enlever tout le rempart, hein, pour gagner de la place. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Juste le rempart. Voilà. Parce que là, deux remparts... ça ne sert pas à grand-chose. Et ça nous fait gagner pas mal de place. Sur lesquels on va pouvoir, voilà, mettre ce genre de bâtiment, et ça me fait plaisir. Alors attends, lui il faut l'enlever du coup parce que... Alors la trésorerie elle est plus au bon endroit là. Putain. Oh, c'est pas grave, on va faire du cochon à donf. Ah, j'ai plus de bois.
Est-ce qu'il y a assez 70? Il nous faut plus de gens. Le temps qu'ils viennent tous là, je pense que ça sera bon. Est-ce qu'on a assez de travail? Des brigands. Faut monter à 80. De notre grenier. Ah, on est bon. Mission accomplie, messieurs. Victoire. Voyez les progrès que vous avez apportés. Bon, on avait encore un petit peu de temps. Oui, c'était facile en fait. Hein.